Blues. Yeah. Rock. Oh yeah. Blues. Oh yeah. Vraiment rock. Oh que oui. Ouais, tu t'es déjà demandé c'est quoi la différence entre un rythme blues et un rythme rock? Aujourd'hui à Rouen Cobaudeville, on va régler ça. Pour résumer la différence ou la majeure différence dans le rythme entre du rock ou du blues. Et là, je dis rock, mais ça pourrait être du pop, ça pourrait être du bluegrass, une coupe d'affaires. Mais on va vraiment rester rock et blues pour sentir les différences. C'est vraiment dans le rythme. Si je te joue le vamp version rock ou pop, écoute bien, ça fait... On qualifie les rythmes de binaire, ce qui veut dire que tu as 4 temps et tu les divises en deux parties égales. Donc, c'est 4 pommes, pour faire une analogie. C'est comme si tu coupes tes pommes en deux dans le milieu. Fait que ça fait... tire, pousse. Tu vois que toutes les parties sont égales. Si tu fais du blues, il y a comme un débalancement qui s'installe. Dans le blues, on qualifie d'un rythme plus ternaire. Ça s'apparente aussi à crush swing dans le jazz. Faut juste que tu penses qu'au lieu de faire tire, tu vas penser longue, brève. Fais juste l'écouter. Souvent, quand je fais un rythme plus rock, je pense à B. On l'écoute. Et quand je fais plus du blues, je pense à B. Tu vois, il n'y a rien qui va changer dans les notes ou dans tes accords, c'est vraiment comment que tu vas faire jouer le rythme un peu. Le rythme blues a un intérêt de faire avancer un peu plus vers l'avant que quelque chose de plus binaire, ça va être plus statique, sans côté péjoratif là. Mais si je fais le vamp binaire, regarde bien, je vais te donner une idée de feeling juste avec les épaules, ça ferait... Et du blues... Si je prends un shaker, là tu vas vraiment entendre, quand je fais du rock, ça fait tire, pousse. Et quand je fais du blues, tu vas entendre 3 coups, même si je fais 2 tirs, ça va faire tire, pousse. Écoutez bien, version rock. Super le fun en passant à pratiquer un petit shaker, un coco, un œuf musical avec le vamp, ça fait encore plus d'effets rythmiques. Maintenant, en blues, écoute bien. Puis tu vas voir que quand je fais des phrases avec un rythme plus rock, ça va être encore binaire. Donc je pense toujours... 1 et 2 et. Puis quand je fais du blues, je pense toujours baby. Je te fais un exemple, vamp binaire avec des phrases binaires, puis je t'en reviens pour le reste.
Maintenant, je te refais exactement le même verbe avec les mêmes phrases, mais blues. Écoute bien, tout va changer. Moi, j'entends toujours dans ma tête « baby, 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 3 et 4 et... » Ce qui fait que si tu joues du blues, il faut vraiment que tu te mettes sur le mode ternaire. Et si tu fais du rock, vas-y pour binaire, sinon tu vas vraiment sentir que tes phrases ne vont pas s'imbriquer comme il faut dans le groove. Voilà, tu n'es même pas obligé de sortir ton harmonica, juste en l'écoutant, tu viens de l'apprendre. Mais si tu veux, je vais te donner un dernier petit bonus. Les deux phrases que j'ai faites avec le verbe, on ne les a pas vues avant. La première que je faisais, ça faisait... Pousse 6, pousse 6. Tire 5, tire 5. Tire 4, tire 4. Pousse 4 et tire 3. Donc, si je te joue, écoute bien, puis je vais te le faire miroir pour que ça marche pour toi, ça ferait... En blues... Et l'autre phrase, c'était... Tire le 2, tire le 2, tire le 3, tire le 3, pousse le 4, pousse le 4, tire le 4, tire le 4. En son. En blues. Tu vois, dans le blues, moi, j'entends vraiment quand je fais ma phrase. Baby, 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 baby. Puis quand je fais du binaire. Bébé, 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 bébé. OK, je finis la vidéo avec le verbe et les phrases. Puis là, je vais m'amuser à le changer binaire, ternaire. Puis comme exercice, tu peux juste essayer de découvrir ou de trouver si c'est binaire ou ternaire. 3, 4. Clic.